Bon, Lego, c'est parti. Bienvenue sur le jeu Last Donors. Alors, aujourd'hui, on va aller faire ceci. C'est parti. Donc, on est toujours dans l'acte 2, la mission 5, fonderie. Connor ne nous laisse pas le temps de souffler. On va construire une véritable usine ici. On devrait pouvoir construire n'importe quoi ici et créer une nouvelle civilisation. Alors là, on voit qu'il y a des petites choses intéressantes quand même en récompense. Il y a un petit bloc. Il y a des composants. Bon, et à la fin, bien sûr, il y a une structure qui peut être intéressante. Alors, je pense que ça va être de la construction. On va aller voir Connor. On va aller voir Connor et on va essayer de voir comment on construit une fonderie. Alors, il y a certainement. Allez, on va lui demander. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Nous avons besoin d'une pièce pour couper le métal. Construisez une autre salle. Ok. Donc, si je veux construire une autre salle, alors, est-ce que je la colle à la troisième? C'est la question. Est-ce que je colle une salle ici? Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si je la colle ici, si je la colle derrière, j'en sais rien. Écoutez, ce que je vais faire de toute façon, il va me falloir des matériaux. Et là, j'en ai pas sur moi, puisque, alors, si je regarde bien. Donc, si je veux refaire, admettons, une pièce en 3 par 3, il va me falloir du bois, de la pierre, enfin, etc., etc. Donc, ce que je fais, je vais chercher tous les matériaux et on se retrouve ici pour construire la petite salle. À tout de suite. Allez, j'ai été récupéré pas mal de petites choses. Donc, pour pouvoir construire notre petite pièce, on va la construire immédiatement. Donc, on va faire exactement la même chose. Voilà, on va faire exactement, on va construire donc du sol. Voilà. Et la dernière. Voilà, là on va construire des murs. Alors, des murs, on va faire exactement le même principe pour l'instant. Je vais construire exactement de la même façon. On va voir ce que ça va donner. Non, ça je veux pas. Voilà. Voilà. Non, là on va mettre une petite fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va? Là, on va mettre une fenêtre ici. Et là, on va mettre une porte simple. Ici. Je pense qu'on est bien. Installer un bureau pour la fonderie. Voilà, là on est pas mal. On a ça. Maintenant, on va aller voir dans les constructions la fonderie. La fonderie, elle est là. Alors, bureau de fonderie. J'espère que ça va pas prendre trop de place. On va la mettre là. On va la tourner dans l'autre sens. Ok. On va fermer. Installer un creuset. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ok, donc ça c'est toujours même un peu le même principe. On a des récompenses en fonction des niveaux. Oh là! Fil de fer à trouver dans la ferme. Ouais, ok, d'accord, c'est bizarre. On a des plans, on dirait des plans pour. Ah, on a des plans pour construire ça, du fil de fer et du fil d'aluminium. Ok, d'accord, je n'avais pas capté. Alors, putain, je pue, c'est pas très grave. Installer un creuset. Alors, le creuset. On va s'y retrouver. Fonderie. Alors, le creuset. Bien sûr, il nous faut. Ah, ben ça, j'ai à peu près tout normalement. Le creuset, j'ai tout. Donc là, il va falloir que je fasse une petite ellipse. Alors, il va me falloir 8 poutres de pin, je les ai. 12 plaques de fer et 4 roulements à billes. Allez, écoutez, je vais chercher tout ça et on se retrouve. Allez, c'est parti. J'ai récupéré tout le matériel nécessaire, donc on va pouvoir aller construire notre fonderie, enfin notre creuset, pardon. Alors le creuset, ouh, qui est gros, qui est très très gros. J'espère que j'ai fait une pièce suffisamment grande. Alors attendez, on va essayer de la mettre comme ça et on va faire valider. Voilà, donc on y est. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Faire fondre du fer. Super, alors attendez. Les recettes. Alors les recettes. Ah ben voilà pour faire des billettes. Parfait.
Donc il nous faut 4 pour une. Alors j'imagine qu'il va falloir un quart d'heure pour faire construire des billettes. Bien entendu, il va nous falloir du charbon. Il nous va falloir du charbon. Vous savez quoi? Je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi. J'ai pas de charbon sur moi. Mais il n'y en a pas pour longtemps. On va aller récupérer du charbon. Comme ça, on va faire fondre nos petites billettes. Allez, c'est parti. Alors, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Bien sûr, ça me fait mentir puisque le temps de chargement est assez long. Voilà. Alors, mon charbon, il est juste là. J'ai plein de charbon là-dedans. Voilà, je vais prendre 20 charbons. Ça devrait suffire. On va retourner, on va voyager. Alors, j'espère que c'est du charbon qu'il nous faut parce que si c'est pas du charbon. Non, je pense qu'il y a 100% de chance pour que ce soit du charbon. Alors, je suis désolé pour les temps de chargement, j'aurais pu faire une petite ellipse, mais c'est pas bien grave. Allez, je vous garde avec moi et on va aller poser notre petit charbon là-dedans. Alors, et là, c'est 20 minutes. Alors, attendez. 20 minutes pour une billette. Ok. Et là. Alors, elle a fait un tournoi. Alors, pendant que la pièce est en cours de fabrication, partez en expédition. Écoutez, bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Je vais attendre. On fera des expéditions ensemble un petit peu plus tard. Je vais attendre les 20 minutes. Et puis, bah on va voir à la fin des 20 minutes ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Allez, on a attendu le temps suffisant et on va se retrouver ici pour avoir enfin nos fameuses billettes. Donc elles sont là, on en a 5. Alors les 5 billettes sont prises. Alors je vais aller les mettre, je vais voir si je peux les stocker. Donc ici, je pense que je dois pouvoir stocker ça là. Oui, je peux stocker mes petites billettes. Donc ça c'est bien. Écoutez, faites voir. Alors là j'ai l'impression que j'ai terminé quelque chose. Je pense que nous avons. Alors on va ouvrir. Je pense que nous allons ouvrir. Et effectivement, on a terminé bah, la fonderie. Donc on va obtenir. On a terminé la mission 5. Donc on va obtenir les récompenses. C'est cool et donc on va pouvoir se retrouver dans le chapitre 4. Donc le chapitre 4 qui va être, à mon avis, de secourir la fille de Murphy. Donc ça c'est cool. Murphy, un peu d'espoir, hein. Murphy a donc une fille. Espérons qu'on puisse la retrouver vivante. Il me fait de la peine. La famille, c'est souvent tout ce qu'il nous reste. Eh bien, écoutez, la famille pour Noël, j'espère que vous allez tous gâter. Moi, cette vidéo, elle est donc terminée, puisqu'on a fini le petit chapitre. On a terminé cette petite fonderie, donc ça, c'est cool. Et bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à fabriquer plein, plein, plein de choses, je pense, pour faire évoluer toutes ces choses, puisque là vous voyez que là il va nous falloir des billettes. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas avoir encore, hein, les poulies, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je pense que ça il va falloir le faire évoluer. Là c'est complètement jouable, puisque ici les antennes j'en ai 5. Là j'ai plus qu'à faire des poutres en pin et des billettes, et on va pouvoir augmenter le quartier général. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et je vous dis à très très vite pour de futures vidéos. Allez, bye bye.